On connaît le côté face de la monnaie, avec son fronton triangulaire représentatif du siècle des Lumières, avec son hall complètement modernisé, qui donne l'impression d'être l'antichambre d'un autre monde. Mais la monnaie côté face, ce n'est que la pointe émergée d'un triangle, dont la base très large est le côté pile. Mystérieuse et essentielle, univers actif et secret, centre nerveux d'une organisation technique si parfaite qu'elle en devient invisible. Ce côté pile est sans doute celui qui justifie le mieux le sens premier du mot « opéra », qui signifie « œuvre multiple ». En effet, l'opéra conjugue les musiques instrumentales et vocales à la parole. Il recrute tous les arts de la scène. Il réunit tout ce que les hommes peuvent engendrer de plus immatériel et tout ce qu'ils peuvent produire de plus habilement technique. Sens propre, c'est le directeur général Bernard Faucroul et demain Peter de Calluet qui effectivement font les choix artistiques. Bon, après, vous savez, un directeur en bonne santé, finalement, c'est un directeur qui a plus de projets que de moyens. Donc voilà, après la discussion, effectivement, il faut un peu tempérer l'ardeur et l'enthousiasme pour que justement on réussisse à cadrer les choses. Créer un opéra, c'est revivre le mythe d'Osiris, ce dieu égyptien coupé en morceaux et reconstitué par une sœur épouse. C'est construire un projet qui a été segmenté en divers éléments afin d'en assurer une préparation méthodique. La déesse Isis inspire ainsi les maîtres d'œuvre qui établissent un planning et coordonnent les activités diverses, innombrables, insoupçonnées. Nos voisins anglo-saxons ont beaucoup développé les services éducatifs. Et Bernard Faucroul, en arrivant ici, a voulu installer cette pratique dans cette maison avec beaucoup de succès. Aujourd'hui, on touche à peu près 30 000 enfants, 30 000 jeunes, 30 000. C'est beaucoup, c'est important. Ça veut dire que 30 000 personnes, entre 6 et 18 ans, sont sensibilisées à l'idée de qu'est-ce que c'est que l'opéra, qu'est-ce que c'est que la monnaie, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi, quel métier, etc. Que ce soit des animations qui ont lieu dans les écoles, avec une participation active des élèves, ou que ce soit des visites guidées où on leur montre les bâtiments, on a tout le panel important de propositions qu'on fait au milieu enseignant et qui rencontre un grand succès. Je pense que nous sommes l'institution la plus dotée en Belgique, donc ça crée des obligations. On a un budget à peu près de 40 millions annuels, donc c'est une petite PME. 500 personnes permanentes, plus de 2000 à 3000 contrats par an de supplémentaires et de chanteurs. Donc ça fait quand même une obligation importante de gérer la situation. La culture d'entreprise et la monnaie. Alors, moi je suis très admiratif de l'engagement de tout le personnel dans cette maison. Je trouve qu'il y a... Il y a un respect, un souci, une protection de l'outil de travail, sans doute parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Belgique, c'est possible, mais il y a un très grand respect, une très grande fierté de l'appartenance, un très grand souci et une recherche de la qualité, même parfois on était un petit peu au-delà de ce que j'envisagerais de payer, si je peux dire, mais non, c'est très très important. Le côté pile grouille d'une vie labyrinthique. Là s'abolit la frontière entre les artistes et les artisans, entre le travail manuel et intellectuel. Là s'élabore toute la patiente et passionnante alchimie de création, jusqu'au moment de l'envol où l'œuvre jaillit sous les feux de la rampe.
Sur base de croquis, on conçoit les costumes et les chapeaux. On choisit les teintes et les matières. C'est ça. Enfin, en général, comme les pièces qu'on fournit sont des pièces uniques, puisqu'elles ne serviront qu'à une personne, c'est du travail à mesure. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucun moyen de mécanisation proprement dite. Chaque pièce sera unique. Et pour ce genre de choses, on travaille d'une façon tout à fait traditionnelle, comme on travaillait, ou comme on travaille encore dans les ateliers privés, mais bon, c'est devenu très rare. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le monnaie courante de voir ce genre de choses. C'est un travail vraiment tout à fait artisanal, comme on travaillait à l'époque en atelier, quoi, hein, comme on travaillait il y a une cinquantaine d'années. Certains costumes, chapeaux, atours, se créent à la faveur d'un spectacle. D'autres sont exhumés de dépôts où ils ont attendu, après un long sommeil, une seconde naissance. Le costume doit être révélateur, commode et solide. C'est lui qui fait d'un chanteur svelte un Falstaff faunesque, cornu et ventru. Le soulier qui permettra quelques pas de valse ou sera un élément important de mise en scène doit être fabriqué sur mesure pour être beau et confortable, résistant et significatif. Parfois même, il deviendra complice de l'illusion. Lors des dernières répétitions, régisseur et metteur en scène vérifient et mettent au point les détails nécessaires au bon déroulement du spectacle. Dans les ateliers, on rejoint l'alchimie, au cours d'un instant mince comme une feuille d'or. Le temps de voir comme se crée le gobelet dans lequel Tristan et Iseult boiront le philtre. Les décors sont d'abord conçus sous forme de maquettes lilliputiennes, puis fabriqués à l'échelle, en grandeur réelle, parfois gigantesque.
Le décor doit à la fois répondre à des exigences techniques bien concrètes, mais il doit aussi permettre l'intrusion du fantastique avec sa poésie propre. Il permet l'ascension du réel vers le rêve. Il est un acte poétique. Il faut partir de croquis pour bâtir un espace qui servira de cadre à toute la dramaturgie. La palette du peintre et ses pinceaux prennent des proportions inattendues. La réserve des accessoires est une caverne d'Ali Baba. S'y découvrent des bijoux somptueux, royaux, fantasmagoriques, comme des éléments décoratifs plutôt kitsch. Les costumes et les accessoires des artistes sont préparés avec précision et minutie par les habilleuses. On parle russe. Oui, avec ça, il faut chanter ça. Faut chanter ça. Il y a la maman, il faut enlever. C'est ça. C'est pas trop pratique, mais quand même. Bon, mesdames et messieurs de la technique, remplacez. Allez, merci. Dames et messieurs. Et si nous essayons de retrouver la femme qui disparaît sous la choriste en enfilant un vêtement de fée étrange, en masquant son visage sous le maquillage, en posant une perruque sur la tête avec l'aide de l'habilleuse et de la maquilleuse, avant de se fondre dans le groupe irréel de ses sœurs. Mais ce côté face de la Monnaie, le connaît-on vraiment? Le théâtre, comme le carnaval, utilise tant de masques et de symboles. Le visage disparaît sous le rôle. L'homme, alors, devient personnage. La musique supporte les paroles aussi bien que la danse. C'est la mouvante magie du spectacle en gestation. C'est un sabbat des sorcières ou un avant-goût de paradis. Puis, tout à coup, c'est la révélation de l'œuvre. Et enfin, son lumineux dévoilement.
la monnaie est un lieu symbolique de vie intellectuelle du pays. C'est un lieu chargé d'histoire, plein de souvenirs, mais qui reste vivant parce que, sous l'impulsion des créateurs, il ne cesse de se renouveler.